Retrouver les faits, c'est renouer avec les fondamentaux du métier de journaliste, c'est-à-dire le terrain. Ne pas euh, voilà, juste relayer de l'information sans avoir les moyens d'aller sur le terrain. Et malheureusement, euh, les budgets parfois pour aller à l'autre bout du monde ou juste pour faire un déplacement se sont réduits comme peau de chagrin, empêchant euh, certaines rédactions de bien faire leur métier. Bienvenue dans Mediarama, le podcast qui explore la galaxie des médias. Ici, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui façonnent les contenus, les usages et les stratégies de demain. Je suis François Desfossez, cofondateur de Cosavostra, agence de conseil tech et créative. Nous accompagnons les médias dans leur transformation digitale. Contactez-moi sur mediarama@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Anne Sophie Novel dans ce nouvel épisode de Médiarama. Anne Sophie est journaliste, conférencière, auteure, productrice d'un documentaire et ton sujet à toi Anne Sophie, ce sont les médias et plus particulièrement le rôle des médias et d'un journaliste. Donc, un épisode un peu pas de côté, comme j'aime le faire dans Mediarama, parce que en 2020, être un média, c'est avant tout produire du contenu. Alors que ce contenu soit B2C, B2B, même du contenu lifestyle dans la presse magazine ou IPG, donc l'acronyme Information Politique Générale, qui qualifie en France les, les, ces médias d'information, euh, c'est vraiment le contenu qui prime. Et dans la presse et les médias d'information, on assiste à une crise de confiance autour de ce contenu, justement. Donc avec Anne-Sophie, aujourd'hui, on va passer en revue quelques pistes de réflexion pour aller au-delà de cette crise de confiance et retrouver espoir dans les médias. Alors pour plus de lisibilité de cet épisode, il, il est composé de, de, de trois parties. La première, une introduction rapide pour découvrir Anne-Sophie pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Une deuxième partie où l'on explique la crise de confiance, on fait un peu ce constat. Et enfin, en troisième partie, les solutions que les journalistes et médias peuvent mettre en place, qui est la partie à mon sens plus, la plus intéressante, avec des choses un peu concrètes pour retrouver un peu de, de sens en tant que médias. Anne-Sophie, bonjour. Bonjour. Euh, et merci d'être avec moi pour cet épisode un peu sur 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 le rôle des médias et des journalistes alors pour te présenter rapidement mais ça va ça va pas être simple parce que tu as quand même un sacré un sacré parcours donc toi tu as été journaliste presse télé et radio euh, tu es passé notamment par le monde euh, le 1 euh, l'hebdo euh, l'express euh, oui demain far west enfin je peux pas tout citer parce qu'il y en a vraiment euh, beaucoup mais l'idée c'est de dire que tu as une vraie légitimité. Est-ce que parmi tout ça, alors j'en ai oublié peut-être des importants que tu voudrais vraiment citer, est-ce qu'il y a une expérience qui a été vraiment significative euh, pour toi qui, qui fait que tu en arrives là aujourd'hui euh, Je dirais que les expériences avec le monde et le 1... Euh, sont parmi les plus enrichissantes pour moi. Euh, j'ai fait aussi de la radio et de la télé. Euh, j'ai travaillé pour Public Sénat, euh, pour Ushuaïa TV, j'ai fait un peu RFI, mais euh, euh, mon média pr préféré, on va dire que ça reste quand même euh, l'écrit, même si le documentaire me plaît beaucoup. Euh, et, euh, et vraiment, la, la rédaction du 1 m'a beaucoup appris, euh, mais j'ai aussi appris euh, des échecs par lesquels j'ai pu euh, passer, notamment. Euh, euh, celui d'Hebdo, qui a été très dur à vivre. Euh, mais ouais alors on peut peut-être rappeler donc, justement ouais. un peu euh, l'Hebdo, donc sans, sans H, hein, euh, mm. parce que là, pour la petite anecdote, le H, il fallait le, le trouver dans le magazine, ça faisait partie d'un petit jeu. Donc c'est un magazine qui avait été euh, euh, lancé par Laurent Beccaria et Patrick mm. de Saint-Exupéry. Euh, si je me souviens bien, sans publicité et sans site, mm. euh, sans site web. Euh, alors c'est vrai que ça fait, fait beaucoup de bruit dans notre... Alors, dans notre Petit microcosme des médias parce que ça avait été lancé en grande pompe après une grosse campagne euh, de crowdfunding. Mmh. Euh, puis ça s'est arrêté euh, assez brutalement. Euh, Est-ce que tu, tu, tu comment tu expliques ça en, en quelques mots C'est pas uniquement euh, l'histoire de revenus. Euh, bah en fait, euh, je sais pas. Il y a plusieurs explications euh, à, à mon sens. Euh, mais je dirais qu'il y a des problèmes qui étaient surtout euh, en interne. On a, voilà, Je pense d'une organisation qui n'était pas assez huilée, qui a été trop rapide, avec des gens qui venaient d'horizons euh, très différents, euh, qui avaient certes des parcours intéressants, mais euh, qui n'avaient pas tous euh, la même vision euh, ni la même envie pour ce journal, euh, et euh, beaucoup de... Ouais, de maladresse, on va dire, euh, je dirais, managériale, organisationnelle, entrepreneuriale, euh, et puis du coup, ben, quelque chose qui a, qui a pas, qui a pas fonctionné. Mais euh, moi, je l'ai vécu euh, à la fois comme conseillère parce qu'ils étaient venus me voir les équipes de 21 et 6 mois au départ quand ils songeaient à lancer quelque chose, donc je les avais un peu nourris sur. Euh, Grandes tendances sociétales. Ensuite, je les ai suivies pour mon documentaire, donc les médias de Monde et Moi, parce que j'étais partie du principe que s'ils réussissaient cette aventure autour de 6 mois et 21, et ben, c'était intéressant de pouvoir le montrer dans les coulisses. Et, euh, et avec Flo Laval, du coup, euh, voilà, très rapidement, on a pu suivre euh, l'aventure de l'intérieur. Et, euh, et enfin, quand je suis revenue à Bordeaux, ils euh, ben, cherchaient des, des, des correspondants. Euh, en, en région euh, et donc euh, voilà j'ai j'ai pu être euh, salariée sur un tout petit contrat euh, dans l'équipe mais je n'étais pas du coup à la rédaction euh, quotidiennement. Euh, voilà. Donc j'ai suivi ça euh, avec différentes casquettes, euh, et, mais j'ai vécu euh, l'échec assez rapidement en fait. Euh, Eric Fotorino quand je lui ai dit qu'on me proposait un petit contrat, euh, m'a demandé de faire un choix et ça a été le plus difficile choix de ma carrière. Je ne voulais pas faire ce choix et je l'avais dit à Eric. Euh, j'ai beaucoup réfléchi avec mes amis. Euh, parce que j'avais des conditions de travail proposées par Hebdo qui étaient peut-être un peu plus sécurisantes, okay. <laughs> euh, voilà, parce que c'était pas du droit d'auteur, mais c'était euh, c'était d'une rémunération avec un contrat euh, et, et les choses qui allaient avec. Donc j'ai dû faire un choix, voilà, basiquement matérialiste, on va dire, euh, et je m'en suis tout de suite mordu les doigts. C'est-à-dire que j'ai réalisé à ce moment-là que j'avais quitté une famille. Ah, et dès le départ je ne voulais pas faire ce choix mais euh, en arrivant dans la rédaction d'Hebdo, j'étais épouvantée de, de la façon dont c'était... Euh mené et, euh, et donc très vite, euh, ça a couru à la catastrophe avec des, des erreurs de choix éditoriaux, etc. Et, oui, la de Nicolas que... Hulot, etc. Mais après, bon, après au-delà des, des, des choix de rédaction, il y a aussi, puisque j'enregistrais avec Arnaud Maillard de Loopsider, qui sont lancés sur un modèle très frugal, euh, il y a peut-être eu, peut-être pas la folie des grandeurs, mais en tout cas, lancer un hebdo papier euh, avec un budget, je crois que c'était 15 millions d'euros sur l'ensemble, le, sur c'était quand même... Oui, alors ça s'est C'était oh, ce qui ouais. s'était levé avec les actionnaires, sauf que cette somme n'a jamais été levée. Euh, mais dans le film, je suis retournée voir euh, Laurent euh, Beccaria et Patrick Saint-Exupéry pour euh, essayer de parler de, de ce qui s'est passé six mois après la, la liquidation. Euh, et en, en réalité... Euh, ils ont, ils ont compris à quel point ils avaient pu être un peu prétentieux dans leur vision du marché et que euh, en fait, se lancer dans un média euh, de la sorte euh, au, voilà, en, à la fin des années 2010 euh, n'était pas la même chose que de le faire euh, dans les années 70 ou 80. Et que la presse papier aujourd'hui, il faut euh, beaucoup communiquer, faire de la publicité, aller voir les kiosques. Et donc, euh, du coup, c'était euh, très, très compliqué. Et ça, je pense qu'ils n'avaient pas mesuré. Donc ce sont des, des très bons journalistes, des très bons éditeurs, mais euh, se lancer sur ce créneau-là, en effet, et ils y sont allés, en effet, avec euh, de grandes ambitions. Alors que tout ce que j'avais appris avec le 1, c'était l'inverse. C'était euh, avancer par petits pas, faire monter sa communauté doucement. Euh, voilà, savoir que ça va prendre du temps, mais qu'il faut s'installer dans le temps, que c'est un marathon, qu'il faut. Enfin, voilà, c'était vraiment euh, Tout ce que tu prônes aujourd'hui, dont, dont, dont on va parler effectivement, il y, y a eu pas mal d'erreurs de fait. Mais après, c'est aussi la difficulté d'être entrepreneur quand on, est, quand on est un média. Je me souviens aussi d'explicite de, avec Olivier Ravanello. c'est. Mm -hmm c'est dur à la fois d'avoir de, de, la vision éditoriale et puis et, mais en même temps de devoir gérer l'entreprise le lancement les résultats les difficultés de la crise etc. c'est deux métiers différents c'est compliqué quand on passe de journaliste à entrepreneur avec euh, cette ambition. Euh, oui. Euh... Oui, et puis surtout, 21 et 6 mois, c'était euh, une aventure journalistique, de longs reportages, qui touche aussi à un travail, on va dire, d'éditeur euh, d'ouvrage. Et là-dessus, Laurent Beccaria est, est quand même une fine lame qui connaît très, très bien son métier. Euh, se lancer dans un hebdomadaire, ce n'est pas du tout la même chose. On se met sur un créneau qui n'a rien à voir. Et en effet, avec des enjeux derrière euh, et qui ne peuvent pas être les mêmes que d'installer une publication un peu nouvelle, sans publicité, euh, tous, les, tous les trimestres euh, ou tous les 6 mois. Donc du coup, euh, ça les mettait dans une logique fondamentalement euh, différente euh, et sur laquelle ils n'avaient pas d'expérience. Euh, euh, voilà, avec, avec le 1, il y avait aussi un choix. Il euh, y a un choix qui, qui est fait de, depuis le départ par Eric Fotorino, qui est de dire euh, nous avons de moins en moins de temps, si nous faisons du papier, c'est pour prendre du recul. Euh, et le rapport au ton est très différent, et donc il a inventé un format différent, une façon de parler de l'actualité qui ne fait pas appel qu'à des journalistes. Et moi, j'avais trouvé beaucoup de, de prétention aussi de la part des journalistes dans la rédaction d'Ebdo. Euh, J'étais très, très, très amie avec des, des personnes qui étaient dans la rédaction de 21. Euh, dans les journalistes qui arrivaient ensuite pour, pour Hebdo, il y avait des profils très différents et je ne me reconnaissais pas. En fait, il y avait pas un esprit d'équipe. Euh, et ça, quand on fait un journal aujourd'hui, c'est pour moi crucial d'avoir aussi un esprit derrière des valeurs, un, un engagement, entre guillemets, euh, qui permet de faire vivre une ligne éditoriale, une identité euh, qui après va parler euh, à son public. On, on a besoin de ça euh, actuellement. Je suis entièrement d'accord, on bosse beaucoup sur les valeurs nous chez nous, chez Cosa Ostra, des fois on a l'impression que ça peut paraître futile de se poser pendant une réunion, pendant deux heures sur les valeurs mais je pense que c'est assez fondamental, tu le dis, pour la cohésion pour les moments de galère aussi où à un moment donné on peut se raccrocher, se raccrocher à ça. En tout cas, bah, merci pour ce retour parce que je pense que ça a été un peu on ça a été douloureux et je pense pas que pour, ah bah toi, pour tout le tout monde, tout monde, tout monde. Et d'ailleurs été... dans, dans les anciens qui sont passés par là, beaucoup euh, le cachent en fait, je, je pense que c'est pas quelque chose dont on ressort euh, euh, on étant très fier, c'est une histoire dont on a même un peu honte, hein. euh, donc euh, personne ne, ne veut en reparler. Enfin, je moi je ressens ça parce que ça a été euh, voilà un effondrement aussi d'une aventure qui a été assez belle parce qu'avant Edo, il y a eu des choses magnifiques, mais ils ont fait il, avec une, une belle ambition, ils sont arrivés à faire pire de ce qu'on peut avoir dans le journalisme aujourd'hui. Et, euh, ça. et après, je et pense ça, que quand ça, la est machine est partie, partie. sans balles, on a peut-être du mal à, à reprendre de la hauteur. Et, et, et alors juste une dernière question là-dessus, c'était pas forcément l'objectif de l'épisode mais par curiosité le, le choix qui est pas de site pas de digital alors je, parce que j'y réfléchissais beaucoup en préparant l'épisode en me disant quand même c'est fou de se dire on lance un, un média et on, on, on met très peu l'accent sur le digital est ce que c'était justement un peu dans la lignée de ce qui se faisait sur le 1 non Donc, alors il y avait le temps long c'est le digital se prête pas à ce temps un peu long de, de lecture ou, ou non en fait, il y avait un site euh, qui était en fait une interface d'échange avec une communauté. Donc il y avait cette idée de dire, avec nos abonnés et avec un public euh, qui ne sera pas forcément abonné, mais nous allons euh, en, engager euh, un dialogue, une conversation, nous inspirer. Euh, donc il y avait quand même euh, quelque chose, mais qui n'était pas de l'ordre du euh, contenu que l'on met en ligne euh, et qu'on peut mettre à disposition gratuitement. C'était aussi dans l'esprit des fondateurs de rappeler que l'information a un coût. Euh, et qu'elle a une valeur et que euh, c'est important aussi de soutenir et il y avait donc un bulletin d'abonnement qui était mis à l'intérieur euh, qui permettait euh, de, de, voilà, de dire je m'abonne mais si j'ai pas les moyens je peux tout bénéficier d'un tarif préférentiel donc ça c'était quelque chose un peu inspiré des, euh, des cafés euh, qu'on met sur le, le comptoir ou des baguettes en suspendu euh, oui. qui était de dire si j'ai les moyens je peux soutenir l'abonnement de quelqu'un d'autre euh, donc il y avait des idées comme ça qui étaient, qui étaient bonnes pour moi hein. tout n'était pas à jeter dans, dans, dans ce dans ce, dans ce, dans cette tentative de journal. Euh, mais ça fonctionnait de cette manière-là. Et je pense, euh, mais Eric Fautorino avec lui et ses équipes le, le font aussi, c'est on peut prouver aujourd'hui que le papier nous permet de retrouver un rapport à l'information qui est différent de celui du digital. Et moi, je n'opposerais pas les deux. Je pense que. Euh, voilà, J'ai l'impression que justement, Eric Fautorino des fois, l'oppose. Je suis en train de, je viens de commencer son, son bouquin et alors peut-être que justement, je ne suis pas allé encore assez loin, mais j'adorerais en parler avec lui, mais euh, que des fois, il l'oppose et que c'est c'est un peu vu, euh, voilà que il y a le sacro-saint papier, etc., et qu'on voit un peu ça comme un comme un ennemi le digital, parce qu'il y a eu beaucoup d'abus aussi. Euh, mmh. Non, tu sens que c'est pas aussi. Euh, non, je, euh, je pense que c'est pas euh, une opposition frontale. Je pense que c'est plus une. Euh, une méfiance de ce que euh, le, les supports numériques euh, euh, ont en termes de conséquences sur l'immédiateté, la recherche du scoop, mmh. la visibilité, la recherche d'audience, ce qui fait que du coup ça a un impact sur le fond du message. Quand on est avec du papier, on crée un espace, on crée une relation euh, différente, ne serait-ce parce que, par exemple, on va aller acheter son journal au kiosque, ou parce qu'on est sur abonnement, on le reçoit, on peut le passer à quelqu'un, parce qu'on euh, peut l'archiver de manière différente, parce que ça crée des occasions, euh, le papier, euh, que ne peut pas créer forcément le numérique ou différemment. Euh, et, euh, et voilà et donc je, moi je, en tout cas je ne fais pas partie de, de ceux qui euh, opposent les usages euh, et, euh, et, et je pense que c'est important de, de le rappeler mais euh, je pense qu'aujourd'hui on, on doit arriver à concevoir un contenu qui vit, euh, en ligne euh, mais qui peut euh, ensuite être prolongé euh, différemment sur le papier. Je, je moi je pense qu'il y a une vraie complémentarité et qu'on peut avoir un rapport à l'actualité dans l'immédiat au quotidien euh, avec du numérique et prendre le temps euh, avec le papier. C'est un peu d'ailleurs euh, moi, je trouve que La Croix, par exemple, avec le groupe Bayard, euh, quand ils ont lancé il y a un an euh, leur hebdo, euh, donc qui sort le vendredi, l'hebdo La Croix, euh, il y avait un peu ça dans, dans les choix d'abonnement. On peut dire, je m'abonne au journal La Croix, je reçois les éditions numériques. Euh, alors ça a peut-être changé, mais il y a, il y a quelques mois, c'était ça, les éditions numériques en semaine et je reçois l'hebdo le week-end. Et, et moi, j'avoue que je fais partie de ceux qui, euh, bah, la semaine, euh, prend l'information à certains moments, je structure ma journée ou je, je fais un peu de veille, mais je prendrai plus le temps le week-end. En effet, de lire sur du papier parce que j'ai aussi envie de, de décrocher et de soigner un peu mon hygiène informationnelle euh, en lâchant les yeux des écrans. Et, et peut-être qu'avec le confinement, d'ailleurs, on a été tellement euh, connectés, euh, parfois on a besoin de décrocher aussi parce que c'est pas, pas non plus possible d'être tout le temps, tout le temps comme ça, les yeux rivés sur un sur, euh, sur les écrans. et ça, et ça le, papier, le papier effectivement le, le permet euh, et, et donc voilà donc on, on, on peut cet épisode un peu d'hebdo de, 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 et donc toi à la suite de ton parcours tu as toujours plutôt été journaliste indépendante et j'imagine donc c'est peut-être toi que tu vas me le, le dire mais un peu le, le résultat de toutes ces expériences t'a donné envie un peu de, de creuser le sujet des, des, du monde et des médias donc ça a commencé par ton documentaire Le Monde Les Médias et moi les médias as... le monde et moi <laughs> les médias ouais, le monde et ouais. moi pardon je l'ai mis à l'envers ouais, sur les, sur les bruit, bruit, le <laughs> euh, sorti en 2018 euh, suivi donc du livre les médias le monde et nous en 2019 est-ce que c'est ça Donc, Est-ce que c'est un peu l'aboutissement la, 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 de ton parcours Alors, en 2020, il n'est pas terminé ton parcours, ah. mais cette envie, un peu, suite à des succès des échecs, de prendre le temps, un peu, de te reposer et de voir euh, euh, les recettes, faire des constats de ce qui marche, ce qui ne marche pas et, et euh, peut tout ça. En fait, ce travail, il a démarré en 2014, euh, parce que j'ai cette passion de l'information euh, et, euh, et voilà quelque chose d'assez instinctif, de me dire euh, il faut qu'on soigne ce rapport à l'information c'était vraiment un ressenti. Et je suis venue au journalisme, moi, pour parler de sujets qui me semblaient insuffisamment traités. Euh, euh, voilà, les questions d'écologie, d'alternatives, de développement durable. Euh, je, je trouvais que les médias ne s'en préoccupaient pas assez alors que c'était une, une préoccupation majeure pour l'avenir de notre civilisation. Euh, donc, les, les choses étaient très claires et, euh, et je, je suis rentrée dans le journalisme de, de cette manière-là. Euh, et, euh, et à un moment, je me suis dit c'est quand même dingue quand on exerce en étant spécialiste sur ces sujets, euh, de passer souvent pour de doux rêveurs ou des militants ou des ayatollahs dans les rédactions. Pourquoi Et donc, je suis partie avec cette question en 2014 pour aller interroger des confrères et des consœurs spécialisés euh, pour euh, voilà, essayer de comprendre. Et en rencontrant Stéphane Paoli, là, j'ai un déclic à me dire, bah, en fait, cette enquête euh, ne va pas être seulement un ouvrage, je vais pouvoir en faire un film parce que j'ai envie de mettre en avant des journalistes qui exercent leur métier euh, avec des convictions euh, chevillées au corps et qui savent en parler en donnant une autre image que celle que l'on peut avoir des journalistes. Et en fait, je me suis rendu compte que pour trouver les réponses à ma question, il fallait absolument que j'aille décortiquer le fonctionnement médiatique, c'est-à-dire faire aussi l'écologie des médias, de l'écosystème médiatique, de, de ce paysage tel qu'il fonctionne, et d'aller creuser dans des causes beaucoup plus profondes. Euh, de, de ce fonctionnement médiatique, les raisons euh, de, du désamour euh, et de la haine de certains vis-à-vis -vis, euh, des journalistes, euh, et ensuite d'aller comprendre ce qui se passait dans euh, cette fabrique médiatique euh, et d'expliquer que bah, euh, en effet, il y avait peut-être des, des, des dysfonctionnements majeurs sur lesquels il faut revenir, mais il y avait aussi des choses euh, que l'on peut préserver. Et bien sûr, bah, moi, je, je suis quelqu'un... Euh, je ne dirais pas d'optimiste ou utopiste je, je crois que je suis vraiment dans, dans une approche assez possibiliste de me dire en fait j'aime mon métier je pense qu'il y a des possibilités de renouveau fondamentales aujourd'hui pour le peu qu'on veuille bien essayer d'y réfléchir et euh, et donc, du coup, dans mon enquête, j'ai aussi été voir ce qui se fait ailleurs pour sortir de, de l'écosystème euh, euh, médiatique français, qui est quand même assez particulier euh, par, par certains égards, euh, et pour dire bah, « regardez à l'étranger ce qui se passe euh, ». Alors, bon, dans, des, dans des pays où la liberté de presse est somme toute assez assurée, mais, euh, mais on peut peut-être s'en inspirer. Et depuis deux ans, je constate qu'il se passe aussi des choses en France. Donc ça qui est intéressant, ça, ça me redonne de l'espoir dans la possibilité de faire quelque chose. Mais euh, quand je dis que je suis possibiliste, et que je, je pense qu'on a devant nous entre 10 à 30 ans de travail si l'on souhaite rétablir la confiance du public vis-à-vis -vis du métier de journaliste, vis-à-vis -vis de la presse. Mais c'est surtout qu'il est important de, de se rendre compte à quel point ce métier a un rôle fondamental à jouer dans euh, l'avenir de nos sociétés, de nos démocraties euh, et des enjeux euh, auxquels on fait face aujourd'hui. Euh, oui. et voilà <laughs> <Je m 'arrête. rire> non non c'est bien t'anticipes est, est un peu est sûr, on, est, on est dans la partie 2 vraiment ce constat de la, de, de la crise qui est un peu le, 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 la première partie de, de ton livre et il faut le faire c'est que il y a une grave crise de confiance dans les médias en fait hein. il y avait ce, ce, cette étude cantar qui publie chaque année seuls 45% des français jugent que les infos qu'ils lisent sont, sont justes. Euh, donc, et tous médias convenus, que ce soit presse, télé ou radio, je crois que la radio est un peu plus, euh, il y a un peu plus de, de, de en tout cas, il y croit un peu plus qu'on écoute à la radio. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, ça doit être peut-être parce que la voix, on a plus confiance. Mais euh, donc voilà, tu, toi, tu, donc, y a cette espèce de ras bol sur information, plus dans cette période, et je veux dire, on est là, aujourd'hui, on enregistre euh, 6 octobre, c'est, d'autant plus vrai avec les relations enfin, les élections américaines, avec la crise sanitaire. Moi, je le vois autour de moi, les gens n'ont absolument plus confiance, on entend tout, euh, tout et n'importe quoi, et, et et, et toi, en fait, ce que tu dis, c'est que grosso modo, les médias, ça, ça, ça tourne un peu en vase clos, euh, Commente la forme plutôt que le fond, c'est plus vendeur, et on, on passe de séquence en séquence, et les sujets, toi, qui t'importaient, dont tu parlais tout à l'heure, écologie, etc., on en parle quand c'est de l'actualité, quand c'est la COP, non, pas, pas la cop mmh. dans laquelle toi, tu avais été investi, mais que tu toi, tu voudrais un peu casser ce cercle euh, de, de, de snacking de l'information où tout le monde fait la même chose parce que c'est ce que les ils ont l'impression que c'est ce que les gens veulent lire à un instant t et en fait comme on leur pousse bah, c'est ce que les gens lisent et on, on s'en rend compte donc après on ne lit plus on est surinformé etc c'est mmh. un peu ça que ça en fait oui non c'est surtout que le constat est de dire qu'on a tendance à, à mettre tous les médias dans le même sac Or c'est 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 compliqué de, de 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 faire ça et, et c'est faire preuve de peu de discernement. Euh, sauf que voilà quand les gens on échange un peu avec eux hein, donc j'ai moi été sur des marchés j'ai fait des sondages en ligne j'étais rencontrée j'ai interrogé beaucoup dans mon entourage les gens par rapport à leur relation à la presse et aux médias parce que c'est en fait c'est un, un sujet que tout le monde peut aborder et c'est très intéressant de s'intéresser à la, à la façon dont les gens s'informent et euh, et souvent ceux qui sont dans une position de rejet si les mêmes sources type BFM etc et considère qu'on peut mettre tout le monde dans le même sac et, et moi ça je me suis dit mais c'est pas possible regardez moi je suis journaliste freelance j'ai pas l'impression de participer à ce bruit médiatique que vous critiquez est-ce que vous connaissez telle source d'info telle source d'info telle émission euh, voilà et, et, et j'essayais de comprendre pourquoi il y avait ce, ce ressentiment et, et après je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'idées reçues alors qui sont pas fausses euh, mais qui sont très ancrées dans l'imaginaire collectif surtout en France. Alors on a un système euh, voilà avec des 90 des médias qui sont détenus par des actionnaires et donc euh, beaucoup disent oh, milliardaires. Euh, voilà, milliardaires euh, oui. euh assimilent les journalistes aux élites parisiennes euh, forcément biaisées euh, voilà et c'est des critiques qu'il faut entendre parce que pour moi elles sont importantes et en effet, il y a eu des erreurs de fait par certains journaliste et quand une erreur est faite de la sorte, et ben ça repèse, et ça retombe sur toute la profession. Et donc, c'était important aussi de rappeler qu'il y a différents types de journalisme, différents types de journalistes, différents types de... Euh, on n'exerce pas de la même manière quand on est embauché dans une rédaction, quand on est indépendant, quand on est grand reporter, quand on est juste derrière un desk à faire du de la relais de dépêche AFP, etc. C'était important aussi de de, de, de le fonctionnement de la fabrique médiatique, de, de reprendre les travaux de recherche qui explique à quel point l'information euh, circule rapidement dans un effet de copier-coller, euh, euh, voilà où deux tiers de l'information est copier collé euh, Rappeler que les fake news vont beaucoup plus vite que la que les que les éléments qui sont euh, vérifiés. Les enfin, oui. Exactement. Donc, en fait, il y a tout un tout un ensemble de paramètres à prendre en compte pour déjà comprendre en fait ce fonctionnement-là. Et donc je voulais prendre ce temps un peu de pédagogie pour dire en fait votre ressenti. Euh, il est réel, euh, nous devons le prendre en compte. Euh, il est peut-être pas tout à fait exact, mais on peut vous expliquer euh, d'où il vient euh, et l'entendre euh, et euh, fonctionner un peu. Voilà, vous expliquer un peu comment fonctionnent nos biais, pourquoi est-ce qu'on clique sur telle info, pourquoi euh, voilà. Et, mais expliquer aussi quelle est la réalité du métier de journaliste aujourd'hui, sans que ça n'excuse quoi que ce soit. C'est dire aussi, euh, ben, la, la profession souffre des mêmes difficultés que l'on peut retrouver dans d'autres professions, dans l'éducation, dans la santé ou ailleurs, il euh, y a un système euh, qui dysfonctionne euh, et qui fait que les conditions de travail se sont dégradées et qu'aujourd'hui, nous devons aussi euh, bah, nous soucier de notre rapport à l'information parce que ça peut avoir des conséquences euh, sur votre façon de, de faire des choix euh, au quotidien euh, au niveau individuel ou collectif quand il s'agit de, de vote ou, ou autre. Et, euh, et je crois qu'on vit une accélération de tout ça, euh, même une intensification. Comme le dit très bien Yves Citon, euh, c'est-à-dire que euh, l'emballement médiatique euh, s'est intensifié, euh, mais aussi euh, tout ce qu'on voit apparaître comme réflexion autour de tout ce qui est fake euh, et, et détournement de l'attention euh, et, et manipulation en fait de l'information à, à, à des fins de, de défense de certains intérêts. Et, oui. et, et que... et alternatives, etc. Oui. C est, c est, mais, mais, mais ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, moi, ce, je, je suis, il y a des gens qui coupent complètement. Parfaitement et donc c'est ce que j'appelle la médianorexie mais je, cette comparaison avec le régime alimentaire fonctionne très bien parce qu'elle parle beaucoup euh, au public qui forcément quand on rejette l'information s'intéresser à son rapport à l'information en parler, essayer de trouver des solutions c'est pas évident. Hein, se mettre... Et puis non. parler de <laughs> quand on fait un documentaire sur l'information le, et les médias en France, faut pas s'attendre à un accueil forcément très enthousiaste de, de la part de la, de la profession euh, qui aime bien aussi entretenir un peu ces relations euh, voilà donc parenthèse ferme mais euh, c'est pas facile <laughs> en fait. Non, euh... non, pardon. Et donc là, par, par, c'est donc, mm. donc vrai, et c'est important de le rappeler, ça fait mm. une partie aussi de, de ton livre. C'est parce qu'après, on va parler vraiment du. du, mm. du des solutions pour les médias et les journalistes mais toi tu insistes quand même aussi sur le rôle du citoyen c'est pas uniquement les, aux médias de changer il y a aussi un moment donné parce que c'est la réalité celle que, que, que tu décris évoques mmh. le, mais le mais citoyen en a fait, un rôle à jouer pour mieux s'informer prendre le temps de réfléchir toi tu, oui. tu fais tes mais attention de... parce que je, je veux pas insister que sur ce rôle là en fait euh, je, je veux partir des, des, des ressentis en fait du public c'est à dire quand certains ne s'informent plus quand certains s'informent trop ou quand certains s'informent mais ne savent pas s'ils doivent croire ce qu'ils lisent ou ce qu'ils entendent, il y a un problème de société. Et la défiance n'a jamais été aussi forte euh, en France aujourd'hui. Euh, donc ça, ce ressenti, il faut l'accueillir, il faut le comprendre, il faut l'entendre, il faut le prendre en considération, et il faut arrêter de faire des conneries, d'émissions de, de, ou de, euh, de, de, de choses qui ne permettent pas aux gens d'y voir clair. En fait, il faut arrêter de considérer que les gens sont, sont idiots et qu'ils ne peuvent pas comprendre les enjeux de société avec, euh, avec intelligence. Et donc ça, c'est un premier renseignement. Euh, mais c'est comme dans une relation, hein, dans un couple, <laughs> quand il y a un problème, c'est pas une seule partie des rapport. C'est pas... Il y a le système dans son ensemble, tel qu'il fonctionne. Il y a les journalistes et les rédactions, euh, tel qu'il fonctionne. Et ensuite, il y a les consommateurs. Donc, j'ai envie de dire, il y a consommateurs d'informations, producteurs d'informations et, euh, et, euh, et la machine médiatique, euh, voilà, qui nous dépasse aussi. Euh, donc, c'est ces trois éléments-là sur lesquels il faut euh, il faut il faut C'est pour ça que euh, quand il citons moi qui a été très éclairant euh, dans, dans ses travaux de recherche, parle euh, d'une écologie de l'attention, de l'écosystème médiatique. Euh, pour moi, les, les parallèles avec euh, voilà, c'est cette question de, de biodiversité, de ce qu'on peut observer dans le vivant, mais à l'échelle des médias, il y a aussi des choses à préserver. Il y a des, des nouvelles façons de considérer euh, ce rapport à l'information. Et, euh, et voilà. Et même si cette prise de conscience, pour moi, a été difficile, de me dire oh « là là, on n'est pas, on n'est pas sorti des ronces euh, », parce que c'est quand même compliqué ce qu'on est en train de vivre en ce moment, euh, je, je, je pense que si on fait des efforts et que on met en place euh, en fait des réflexions profondes sur ce fonctionnement-là, sur ce qu'on peut faire en tant que consommateur d'infos, en tant que producteur d'information, euh, voilà, comme comme l'ont fait « slow food » sur le rapport à l'alimentation hein, dans les Années 80, dire attention, arrêtez de manger de la junk food. bah là, c'est pareil, la junk news, on peut peut-être euh, s'en passer, euh, mieux faire, avoir des écarts de conduite de temps en temps, mais aussi euh, travailler un autre rapport à l'info. Et ça, ça va prendre du temps. Là-dessus, euh, comme je disais, 10 à 30 ans, mon avis, si on s'y mettait aujourd'hui pour essayer de, euh, de, de, de mieux s'éduquer au, au goût de l'info, euh, de, du, du, de la vérité, euh, de, de l'échange autour de tout ça et de la confiance euh, qui. qui qui la guide. Oui, ok, donc ça c'était vraiment la partie euh, du rôle citoyen qui était importante à, à noter effectivement mais bon, 10-30 ans c'est pas optimiste mais en même temps euh, c'est une génération quoi. il faut effectivement euh, digérer un peu cette ère qu'on vient de vivre de 10-15 ans euh, pour passer à autre chose euh, et puis après, effectivement, je, 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 reviens quand même une seconde sur les, sur les, sur les citoyens qui, on leur demande aussi de, de, de réfléchir, de lire plus. Mais ce que, ce que j'ai aussi pas mal remarqué, c'est qu'en fait, quand tu parles à des, des gens qui, qui croient ou pas les fake news, euh, ou qui sont dans des, des choses plus complotistes, etc. Ils ont l'impression d'avoir quand même réfléchi, d'être allé lire des choses, mais comme ce qu'ils trouvent comme information ne vient un peu que confirmer ce qu'ils ont déjà lu, tu vois, t'as quand même un peu ces, ces, ces bulles mm -hmm. dans lesquelles tu es. En fait, je vois des gens qui font des efforts, mais en fait, ils sont dans, 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 dans un biais. C'est un peu, euh, j'ai découvert l'effet, enfin, par une, je crois que c'était une vidéo brute, combinée, désolé, je sais plus, mais l'effet de Ning Kruger que tu dois connaître, tu sais, un peu de surconfiance où t'as lu deux papiers sur un sujet et t'as l'impression vraiment d'avoir fait l'effort d'aller lire Etc., et tu te sens en confiance sur un sujet, ce qui est pas du tout vrai. Donc il y a, y a cet effort à faire, mais après, il y a aussi comment tu casses un petit peu ça et comment tu arrives à, à, à repérer des, des sites qui, euh, qui sont fiables, etc. Et ça, on va en parler justement un peu après, euh, comment trier, comment être capable d'aller repérer un peu des, euh, les, les bons sites, les décodeurs, etc. Je pense que ce sont des initiatives qui euh, participent. En fait, il y, 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 ouais. en fait, y a toute une... Euh, alors, j'ai envie de dire, une éducation à l'information aux médias à faire. Euh, souvent, on dit, ah, c'est dès l'école, il faut aller voir les jeunes. Et tout. En fait, les jeunes... Rencontre, ils sont, ils doutent de tout, euh, quelle que soit la source d'infos, ils s'informent quand même beaucoup, euh, mais euh, même quand ils s'informent sur Internet ou sur YouTube, ils ont, ils ont des réflexes qui, qui sont quand même, quand même assez acquis. Euh, L'éducation aux médias euh, au niveau scolaire a, a explosé depuis les attentats de Charlie en 2015. Et donc beaucoup de choses qui sont faites. Mais pour moi, il y a, y a un enjeu euh, plus euh, plus large en fait que de, de s'adresser euh, pas uniquement aux jeunes et aux scolaires, mais d'aller parler de ces questions-là euh, au, au grand public entre guillemets et même à des personnes qui sont plutôt euh, euh, âgées, <laughs> qui, qui eux ont dû s'habituer à des outils qu'ils n'ont pas connus dès le plus jeune âge, euh, qui parfois se retrouvent avec des, des applications, des choses qui vont très vite sans se rendre compte forcément de, de, de ce qui se passe, sans avoir des réflexes de vérification de, de l'information et en fait le métier de journaliste qui est quand même à la base d'aller vérifier les faits de les confronter etc peut être utile là dans ça qu'on peut faire beaucoup de pédagogie mais les ressentis des gens euh, et la façon dont ils peuvent être manipulés euh, ça reste une réalité euh, et on peut s'enfermer dans du faux avec des algorithmes en plus je le rappelle quand même sur les réseaux sociaux qui ont tendance à nourrir euh, un, un biais ou une façon de voir, euh, voir le monde c'est ouais, en fait. que c'est pas forcément la faute du citoyen, ça peut être la faute aussi euh, de robots euh, qui euh, voient que vous aimez tel type d'information et qui va vous en servir matin, midi, soir. et soir. Et, et donc là, euh, comment on fait pour se soustraire à ça, quand on ne peut pas avoir les, les, les choix. Donc, il faut aussi en fait se méfier et avoir conscience de ça pour s'en sortir. Euh, se dire, bon, bah, là, euh, même moi, dans les sujets que je suis, des fois, je me dis, bah, va voir ailleurs euh, pour sortir un peu de ta propre bulle. Mais avant de se dire ça et en avoir conscience, il faut déjà. Euh, bah, euh, euh, c'est avoir... un gros <laughs> travail. Souvent, effectivement, tu, tu te contentes de tes 3, 4, 5, 6 sites d'information que tu as installés et, et qui sont réputés fiables. En fait, c'est assez nouveau quand même, cette crise. Alors, elle est. Quand nouveau, c est, c est, ça fait déjà quelques années, mais avais, tu parlais des personnes âgées ou de générations, voilà, nos parents, grands-parents, qui, eux, n'ont jamais vraiment remis en cause l'information. Quand tu as une information, le monde, le point, bon, bah c'est fiable, il y a cette aura, mais avec aujourd'hui ce que tu, tu évoquais sur l'actionnariat, etc., même s'il n'y a pas un agenda politique, hein, on n'est pas en train de parler de, de, de Sputnik ou de, ou de, de médias euh, comme Reinhardt, etc., euh, est-ce que. Est-ce qu'on retrouvera la confiance dans ces dans, dans des grands médias comme ça à partir du moment où alors c'est un petit écart sur le, le côté actionnariat et et c'est pas quelque chose que je critique de manière mmh. je, je, c'est pas noir ou blanc évidemment hein, parce que on, on en parlait la reprise de Nice Matin de France Antille... Euh, il y a peut-être des sujets business derrière, mais il y a aussi, en attendant, la reprise de titres et la, le pluralisme de la presse. Et je pense que c'est important que, au moins, ces gens-là s'en emparent plutôt que de voir disparaître les titres. Mais est-ce qu'on peut retrouver une confiance euh, à un moment donné, de, même dans les décodeurs J'en parlais. Est-ce que moi, j'ai des amis que, qui me disent oui, mais en fait, le, 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 le décodex, hein, le plugin maintenant qui tirait des décodeurs, bah, ça reste du, 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 du déclaratif par des journalistes du Monde. Euh, donc c'est eux, eux qui disent c'est bien ou c'est pas bien quelque part. Euh, est-ce qu'on peut avoir confiance bah, en fait, euh, comme je disais tout à l'heure, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Euh, et moi, dans, dans mon approche qui est de dire euh, cessons de mettre tous les médias dans le même sac, euh, je, je, je n'ai pas... Euh en fait un propos qui est de dire euh, les médias possédés par les grands actionnaires euh, sont des méchants et vous ne pouvez pas les croire et euh, les médias indépendants ont euh, tous raison euh, et, euh, et c'est pour ça d'ailleurs que là... On pourrait tomber dans cette caricature assez vite hein, effectivement. Mais, mais oui, mais elle a été nourrie aussi cette caricature. Je veux dire, euh, quand on voit la, la carte des médias euh, qui possèdent quoi d'Acrimed, ouais, qui le, est très de, bien oui. faite euh, le ou euh, les nouveaux chaînes de garde qui sont quand même des supports qui ont un, un, un très fort relais et un grand succès dans le public euh, et à raison je veux dire, parce qu'il y a des choses à dénoncer et, et dont il faut prendre conscience, euh, je veux dire, mais on ne voit que ça. Et donc, la critique radicale des médias peut avoir tendance à s'enfermer là-dedans sans chercher, du coup, à aller voir plus loin sur que peut-on faire pour essayer d'améliorer la situation. Et moi, c'est ça que j'avais envie d'aller voir, c'était me dire, OK, il y a cette critique, écoutons-la, prenons-la prenons en compte, mais essayons de vrai pour aller un peu plus loin. Et donc, quand, par exemple, avec ma graphiste Natacha Bigan, euh, on essaye de dessiner le paysage médiatique de manière très subjective. C'est une façon de dire, regardez, moi, je m'informe aussi bien dans des médias mainstream possédés par des grands méchants actionnaires et je m'informe aussi sur de la presse indépendante. Et, mais voilà, je, je suis plutôt euh, peut-être à gauche et, et je préfère l'assumer comme ça les gens savent. Voilà, et en même temps, ça m'empêche pas d'aller lire euh, ce qui se passe à droite. Mais je vois comme ça le paysage médiatique et je vais aller grappiller des informations euh, dans des émissions euh, droite à gauche. Mais euh, prenez conscience qu'il y a une une information euh, qui prend du recul, de la hauteur, euh, qu'on peut aussi aujourd'hui avoir de l'information qui relève plus de l'investigation, d'autres qui est euh, dans un fleuve médiatique euh, qu'on peut consulter pour avoir un aperçu de l'actualité mainstream telle qu'elle se joue euh, au jour le jour. On peut aller lire de la presse plutôt indépendante, on peut aller voir euh, de la presse plutôt satirique, voire divertissante. Enfin voilà, il y a plein de nuances en fait. Et l'idée est de dire. Si on essaye de, 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 de sortir de ce sac et de mettre tout à plat, eh ben on peut essayer de, de classer ou d'objectiver les choses autrement. Et euh, avec euh, cette, cet outil un peu pédagogique et cette carte du, du, du paysage médiatique, l'idée était aussi de dire bah voilà, euh, elle, est, elle est très perfectible, c'est une première version, on va l'améliorer. Mais euh, essayez-vous aussi de, 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 de dessiner votre propre carte. Regardez comment vous vous informez au quotidien ou à l'échelle hebdomadaire ou mensuelle ou annuelle. Et, euh, Devenez un peu des permaculteurs de votre propre rapport à l'information. Et, et, et ça, c'est important. C'est pour ça que je dis faut, faut, souvent, on n'en a pas conscience. On, on prend ce qui vient on, et, et, et on oublie qu'on peut prendre ce recul euh, et du coup faire des choix plus éclairés. Et donc, en effet, maintenant, on a des outils qui existent, mais il n'y a pas un outil véritablement parfait. En revanche, quand euh, euh, les médias font le jeu. Euh, d'une manipulation par exemple de l'information scientifique ça moi ça me pose problème et ça c'est des des sujets sur lesquels on doit euh, on doit euh, aujourd'hui insister quand euh L'Ont7, est... tu parles de... Oui, de, de C'est euh... un exemple qui m'avait aussi un peu, un peu choqué, entre guillemets, pendant la crise, où effectivement, oui. c'est encore un truc qui s'ébranlait dans les médias dans lesquels tu peux avoir confiance, même si je ne le lis évidemment pas, mais si tu te dis que même sur The Lancet, les gens peuvent se planter, alors à dessein ou pas, ça on peut en discuter, mais que c'est repris si vite, sans contrôle. Bon, bah, tu dis qu'effectivement tu peux plus rien. Mais il y a des journalistes lire hein, qui... sans, sans esprit critique en tout cas. Mais il y a des journalistes. Je lisais toujours un témoignage d'une journaliste qui disait voilà ma spécialité c'est l'information sur la santé. Quand j'ai vu cette étude j'ai voulu prendre du temps. C'est sorti par ailleurs ailleurs et après c'était parti. C'est-à-dire c'est devenu un ouais, objet voilà, médiatique. C'est trop vite. C est, c est trop vite. Et, et, mais livrer comme ça euh, cette histoire autour de la chloroquine euh, dans un débat de société. Euh, moi je ne suis pas épidémiologiste et quand on me disait ah mais moi je me fais euh, demain euh, je me fais hospitaliser je de ce traitement où je signe la décharge sans problème, ben moi je dis je ne sais pas. Et je préfère dire que je ne sais pas et que j'ai besoin de temps et que les institutions existent même si on est en grande défiance à leur égard pour aussi nous assurer un minimum de, de cadre pour prendre ce temps. Et, et la vertu du temps, en fait, on a trop tendance à l'oublier aujourd'hui, euh, de se dire on ne peut pas du jour au lendemain trouver un virus extraordinaire. Euh, un, 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 vaccin. Un, un vaccin ou une épidémie de cette ampleur. Euh, et, et là, aujourd'hui, avec la révolte des, des anti-masques, la sensation que les gouvernements font trop, etc., c'est pareil. Euh, je, je, je pense que, que, que n'importe qui mis en place de cette manière-là ne saurait pas véritablement comment agir parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Euh, mais euh, euh, j'ai en, envie de dire, euh, là, il y, y a des chercheurs qui ont dit, nous travaillons sur des traitements, mais nous n'allons pas en parler dans la presse pour éviter... Euh, ce type de dérive euh, et, et, et donc tout ce lien à la science, euh, aux médias, à la communication et aux enjeux derrière qui sont liés, c'est un des enjeux financiers énormes, doivent nous interpeller euh, et, et, et dire ben là-dedans on n'a peut-être pas voilà et, et si on retrouve pas la confiance et que ça devient une cour de récré géante à, à qui a raison et qui va trouver. Enfin pour moi ça c'est flagrant en fait de, de, de voir à quel point ce dysfonctionnement pose problème. Et, et, et aujourd'hui, il faut décortiquer ces logiques-là. Quand euh, euh, Stéphane Foucault, Stéphane Aurel et Sylvain Laurence, là, qui viennent de sortir, Les Gardiens de la Raison mettent en garde sur ces rouages euh, de dysfonctionnement de l'information scientifique et de sa manipulation. Euh, ça aussi, ça doit nous interpeller parce que euh, on, on a autour une mouvance de think tanks, de youtubeurs ou d'influenceurs en ligne qui reprennent des éléments de communication tout près euh, faits par euh, voilà des, 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 des organisations qui ont des intérêts à défendre et euh, jouent un jeu euh, dont ils n'ont peut-être pas toutes les cartes en main. Et, et quand les médias rajoutent à ça, ben pour moi il y a une question de responsabilité sociétale euh, qui est posée et, et qui pose problème parce que les conséquences sont à la fois économiques, sociales et surtout politiques. Est-ce qu'il faudrait légiférer sur des sujets comme ça, par exemple, sur, enfin sur des sujets médicaux quand on parle de vaccins, etc. Ou est-ce que tout le monde peut dire tout et n'importe quoi Enfin, je, la, la loi n'est jamais la solution à tout, hein, c'est un peu le dernier recours, mais tu vois, qu'est-ce qu'il qu va faire Parce que quand tu as, 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 as ceux qui vont le sortir vite parce que c'est dans leurs intérêts, ceux qui vont le sortir vite parce que ça va faire le buzz et ils vont faire de la page vue, etc. Comment est-ce que tu peux un peu réguler ça bah, on, on est quand même dans un pays où on, on a de la liberté d'expression, donc euh, interdire n'est rarement la solution, mais euh, avoir une déontologie euh, ou des réflexes euh, qui permettent de, 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 de prendre du temps ou du recul euh, et se dire. Euh, on ne va pas participer au bruit médiatique là-dessus mais on va prendre le temps de, de réfléchir à l'information euh, et garantir à son lectorat ou, sa, ou à son audience que oui, nous savons qu'il y a cette euh, musique-là qui est en train de prendre de l'ampleur, euh, mais laissez-nous du temps pour euh, vérifier, euh, nous faire notre avis, entre guillemets, euh, et vous, vous obtenir des, des, des éléments euh, concrets, euh, factuels, euh, sur lesquels on a eu le temps d'investiguer. Pour moi, c'est une posture intéressante. Il euh, y, y a des médias euh, à l'étranger comme de Correspondante qui, qui en a fait un peu son credo de cette approche, de dire nous, nous ne voulons pas être dans, dans, dans la météo quotidienne de, de ce qui se passe, mais plutôt euh, prendre du recul pour étudier le climat tel qu'il évolue et donc ne pas participer. Un bruit médiatique quand l'information qu'on va produire ne va pas apporter de valeur ajoutée à, à, au propos et, euh, et c'est compliqué hein, de faire ça, d'assumer ça. Mais je suis persuadée qu'un média euh, demain qui, qui qui assume ça, qui s'engage auprès de, son, de, de ses lecteurs pour dire voilà, vous pouvez avoir confiance en nous parce qu'on s'engage à avoir telle ligne de conduite, euh, bah, permettra aussi d'y voir un peu plus clair. Et, et je crois que c'est ce type de pacte de confiance, comme euh, les AMAP hein, <laughs> ou euh, un, un, un producteur qu'on va voir sur le marché des quatre saisons euh, et avec qui on parle et on comprend comment il produit euh, voilà ses fruits ses légumes comment et, 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 et en parlant et à Comprendre comment il fonctionne et comment il fait, ben pareil sur le journalisme, euh, on peut se dire bon, bah ben lui, j'y fais confiance et, et parce que je le connais. Et puis, je sais qu'en plus, s'il se plante ou s'il fait un truc pas bon, ben je vais pouvoir lui dire et on va pouvoir en parler et euh, on restera dans une relation. Euh, et et c'est tout ça qu'il faut décortiquer aujourd'hui. Euh, sauf ouais. que quand on est pris dans cet écosystème et son fonctionnement rapide euh, de copier-coller, de secours au scoop et d'audience, et eh bien, euh, parfois, on n'a pas forcément le choix. Mais je trouve qu'il y a des efforts qui sont faits quand même. Hein. Je ne veux pas dépendre de l'autre. Non, euh, non, non, non. Euh, euh, exactement. Euh, et et c'est justement la transition, est ce que mmh. tu, tu commences à évoquer sur la partie mmh. 3, qui sont quelles quelle solutions, en, en tout cas, euh, qu'est-ce qu'on peut mettre en place quand on est un média et un journaliste euh, Donc là, on vient vraiment sur le, le cœur du sujet, le, le rôle du média. Tu as, as commencé à évoquer justement le premier point, ouais. et, et c'est ce que tu mets dans ton livre. Donc euh, Il faut, faut retrouver un certain nombre de, 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 de points. Donc, le premier c'est retrouver les faits, donc l'importance de l'enquête euh, et de, de bah, l'investigation et, et, et de la collaboration entre médias parce qu'on le voit aujourd'hui que bah, faire des enquêtes euh, bah, ça coûte cher, ça nécessite des ressources et qu'on est, on est, on est quand même plus fort ensemble et on a vu quand même récemment des belles, des belles initiatives. Il y a quelques structures dans le monde, euh, le, BIG, mm. le BIJ, le Bureau mm. of le bije. euh le CIR, donc Centre pour le, 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 le Investigative Reporting, en France Disclose, euh, euh, qui est aussi une ONG, euh, voilà. Donc l'idée de tout, 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 toutes, euh, toutes ces organisations, c'est bien de se mettre ensemble, de décortiquer, de s'emparer d'un sujet, de le décortiquer. Et est-ce que c'est on est plus fort parce qu'on est plusieurs, ou c'est l'histoire de justement d'avoir plusieurs points de vue sur un même sujet Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur, sur l retrouver les faits, l'enquête pour moi, retrouver les faits, c'est un des premiers chemins de fer. Retrouver les faits, c'est renouer avec les fondamentaux du métier de journaliste, c'est-à-dire le terrain. Ne pas euh, voilà, juste relayer de l'information sans avoir les moyens d'aller sur le terrain et malheureusement, euh, les budgets parfois pour aller à l'autre bout du monde ou juste pour faire un déplacement se sont réduits comme peau de chagrin, empêchant euh, certaines rédactions de bien faire leur métier. Euh, là la crise économique rejoint un peu la, la voilà. crise de confiance. L'effet, c'est le terrain. C'est la vérification, c'est le fait de recouper, c'est le fait de prendre le temps d'aller en reportage, euh, etc. Et puis après, la collaboration, c'est aussi parce que euh, les faits dont on dispose aujourd'hui sont... Plus riche qu'avant. C'est-à-dire que, par exemple, quand je dispose de données statistiques auxquelles je n'avais pas euh, accès avant, euh, ce que l'on fait aujourd'hui beaucoup avec le data journalisme, euh, c'est-à-dire euh, une collaboration déjà entre journalistes, data si scientists euh, et euh, designers graphiques qui peuvent ensemble euh, raconter des histoires à partir d'éléments statistiques euh, auxquels on a accès parce que les données se sont ouvertes, euh, c'est aussi une autre façon de, de faire son métier et de raconter des histoires. Donc voilà. Et et le fact-checking, qui sont aussi une vérification des faits, euh, permet. Euh, voilà. Mais tout ça participe de cette idée de dire, euh, dans l'investigation, aujourd'hui, ces données sont plus massives, on a des outils qui sont plus intelligents et qui nous permettent d'aller plus loin, mais en collaborant, on sera aussi plus fort. Et derrière, il y a un autre enjeu de cette collaboration c'est que quand on dénonce des faits, euh, avec une investigation solide euh, et que cela dérange en fait des intérêts euh, économiques et financiers ou politiques euh, ou autres d'ailleurs mais quand on le fait à plusieurs on est plus fort on peut pas être juste une petite rédaction écrasée parce qu'elle a dénoncé quelque chose qui dérange mais quand on a un collectif d'investigation national ou international et plusieurs rédactions se mettent à travailler ensemble ça veut dire qu'elles peuvent s'entraider qu'elles peuvent vérifier ensemble aussi avoir différents points de vue en discuter et sortir quelque chose qui est d'une solidité euh, plus importante et ensuite euh, faire front commun euh, pour dire nous avons dénoncé ça euh, de cette manière et, euh, et qu'en est-il en fait et demander des comptes mais en différence qui est quand même euh, en fait, aujourd'hui, un, 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 voilà, un des éléments euh, cruciaux euh, dans l'exercice de notre métier. Donc, c'est grandes affaires qui ne peuvent pas sortir si des journalistes n'y passent pas du temps. Le journalisme d'investigation et toutes les grandes affaires qu'ils dénoncent sont cruciales pour la santé de nos sociétés. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et donc, par exemple, quand Disclose, je fais partie des, des membres cofondateurs de Disclose, quand Disclose se monte en disant voilà, nous créons une, non, une, une, une association à but non lucratif qui va permettre à des citoyens de, de s'engager, comme ils s'engageraient dans une autre ONG, pour défendre la bonne information. Que grâce à cet argent, là ou à l'argent de, de fondation nous sommes indépendants pour faire des enquêtes au long cours et que ces enquêtes ensuite elles sont en accès libre euh euh, publié en collaboration avec d'autres rédactions qui peuvent du coup nous challenger, revérifier, compléter, euh, et qu'ensuite euh, on, on, on se soucie de l'impact de cette enquête et on s'arrête pas juste à révéler ça, mais euh, à, à, à s'enquérir que dans le temps il y aura un, un suivi. Pour moi, ça c'est tout ce dont on peut avoir besoin aujourd'hui pour s'assurer un d'être bien informé sur des faits de société majeurs, mais euh, aussi pour être éclairé en tant que citoyen. Euh, et donc qu'on disclose, euh, voilà, dénonce euh, les ventes d'armes de la France à l'Arabie saoudite qui ont des conséquences sur la guerre au Yémen, euh, qui dénoncent les violences sexuelles dans le monde du sport euh, ou là dans une future investigation sur l'agroalimentaire, tout ça, 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 ça permet euh, de renouer avec une bonne information. D'accord, mais il faut trouver de financement. Disclose, c'est sur la base de, de soutien, c'est une ONG. Hein, ah, c'est une ONG, voilà. Ça coûte ça cher quand même l'investigation, des enquêtes. Ah oui. euh, bon quand, quand on a lancé Disclose, je me souviens de Luc hein, donc de, de première ligne, qui travaille avec Paul Morera et qui ont fait de, de magnifiques investigations, euh, qui malheureusement d'ailleurs ont été touchées il y a 15 jours par, par cet attentat. Mais euh, il était là au lancement hein, il nous a dit ben, Je vous souhaite bon courage parce qu'à euh, à, l'étranger, les structures comme le BIGE euh, ont des budget annuel de plusieurs millions d'euros. En France, euh, notre écosystème, hein, j'y reviens, ne nous permet pas encore euh, de lever des, des sommes de la sorte. Euh, et donc, ça aussi participe au temps nécessaire pour arriver à faire évoluer l'écosystème euh, c'est-à-dire qu'on a un fonctionnement qui, qui, qui a un rapport avec l'argent et aux médias euh, qui ne permet pas pour l'instant de, 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 de lever des fonds euh, aussi importants mais je, je pense que ça va venir et en fait la qualité du travail mené par les équipes de Disclose et les journalistes qui, qui s'y investissent euh, bah, va, si elle continue, je, je pense, euh, permettre de, de, de comprendre à, à quel point c'est important et donc à quel point il faut nous soutenir. Et, et aujourd'hui, ce message-là doit aussi passer, c'est-à-dire je, je regardais Catherine Kat Wiener hier soir encore communiquer sur les, en les engagements de Guardian euh, par rapport à, à l'information sur le climat, par exemple, parce qu'elle elle, elle se bouge énormément sur ces sujets, je pense que c'est exemplaire et elle disait mais pour continuer à faire cette bonne information, on a besoin aussi de votre soutien. Donc en fait, il euh, y a dans leur démarche une façon d'afficher de, des valeurs, euh, un engagement de qualité, un engagement sur la façon de faire son métier euh, et des bilans réguliers qui sont effectués et des rappels euh, à l'indépendance de notre métier. La qualité de, de ce à quoi vous pouvez accéder dépend aussi euh, de votre soutien et de votre présence à nos côtés. Ok. Euh, très clair. Il bah, faut voir comment ça, ça va évoluer. Mais effectivement, je pense que quand il y a une prise de conscience, c'est pas impossible qu'il y ait des mécènes qui sortent ou des crowdfunding autour de ces sujets-là, que les gens se disent que c'est important d'y participer. Euh, deuxième point que tu, 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 tu rappelais, euh, dans le rôle des médias, c'est, de retrouver le temps. On l'a un peu évoqué tout à l'heure quand on parlait du 1 sur les longs formats, les grands papiers. Euh, ça aussi c'est important de, de, alors en tant que journaliste ou média non pas de se forcer mais d'aller plutôt sur ce type de, de, de format qui, est, qui permet de retrouver justement un peu la confiance des lecteurs et puis de sortir de cette immédiateté du snacking de, du bâtonnage de dépêche. Il oui, bah... euh, y a quelques belles expériences, notamment euh, euh, les jours euh, mm. avec leurs obsessions, qui rejoint un peu aussi ce rôle d'investigation dont tu disais, c'est que sur un sujet, on essaye de le creuser et puis de le traiter sur un temps long pour justement un peu ne pas être dans le piège des séquences médiatiques. Mm. Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire que, aussi bien en papier, avec des supports qui euh, prennent le temps de faire de la long story, euh, avec une enquête au long cours euh, révélée sur 15 pages, euh, ou sur des supports euh, en ligne euh, qui permettent d'avoir euh, un accès à des archives, à un travail euh, aussi, j'ai envie de dire, interactif, comme on aurait pu le dire à l'époque. Hein, Il y a vague quelques des, exemples d'enquêtes des de, de, interactives comme ça euh, qui, ont, qui ont bien marché bah, Pour moi, et j'en parle beaucoup dans l'ouvrage, mais un David du alors dont on a beaucoup entendu parler pour son travail récent sur les violences policières, etc. Mais moi, ça fait dix ans que je, je, que je suis son travail euh, et de tout ce qu'il a fait, par exemple, avec une agence comme Upian. Euh, je, je trouve qu'il a une façon de dire voilà, je vais traiter un sujet et pour traiter ce sujet, ce format-là sera intéressant. Donc, parfois, il a eu recours euh, à, des, à des formats ludiques pour faut que les, le public puisse interagir en se projetant euh, de manière différente dans l'information pour mieux la saisir et la comprendre. Euh, il avait fait fort McMoney de cette manière-là. Euh, il, a, il, a, voilà, il a une façon de considérer les choses euh, qui permet d'être... De, de, dans un autre rapport à l'information que je trouvais intéressant mais il y a eu plein d'autres choses qui ont en fait On peut faire aujourd'hui de très beaux longs reportages photos aussi euh, avec internet on peut utiliser de la vidéo on peut composer comme ça euh, voilà l'information différemment et les jours en effet euh, au long cours ou, ou d'autres supports on, on, voilà même Disclose c'est-à-dire que Disclose on travaille aussi avec Upian et, euh, et on, on essaye de mettre en scène l'information euh, comme peut le faire aussi euh, le New York Times ou d'autres supports euh, très reconnus euh, à l'étranger euh, de manière à, à en effet s'engager euh, à ne pas laisser les gens en plan en fait je, je pense que ce côté aussi euh, on fait des révélations attention actu choc euh, euh, c'est très bien dans les grandes affaires mais euh, c'est important aussi d'éclairer les gens sur euh, ce qu'il est possible de faire ensuite pour répondre à ces problématiques. Alors quand de fait ce sont des malversations au sommet de l'État, euh, euh, et bon, bah, il faut attendre aussi que la justice s'en empare et que ce temps-là se mette en place. Euh, mais quand ce sont des révélations sur euh, d'autres problématiques euh, plus locales, euh, sur des sujets environnementaux euh, ou autres, euh, il est aussi possible de montrer quel est le travail fait par la société civile pour y répondre et, et, et aider les gens à y voir clair pour voir comment est-ce qu'on peut euh, agir au quotidien pour y répondre. Aussi. Euh, ouais, et, et c'est important justement, là, tu, tu parles de l'implication euh, euh, enfin retrouver le public euh, c'est-à-dire que le public doit aussi participer euh, à, à ce à, à ce type de, de de format de contenu sur de, enfin, des longs formats etc tu parles de la société civile mmh. euh, on voit Moins de choses. J'ai l'impression qu'il y a quelques années, il y avait eu un peu le boom de de, de l'UGC, de la contribution, etc. Et que les médias en sont un peu revenus parce que c'était bah, lourd en ressources, de modération, d'animation, de communauté. Toi, tu rappelles quand même l'importance d'impliquer les gens. Alors peut-être pas dans la dans la création du contenu, mais euh, euh, voilà. il, y a, il peut, Alors évidemment, il y avoir une contribution financière. Hein, ça c'est aussi une manière de participer à ça avec du crowdfunding. Pas forcément que au lancement du média. Le crowdfunding peut être fait de manière régulière ou ponctuelle pour financer justement une enquête. Est-ce que tu as, as quelques exemples en peut -être de médias que tu as rencontrés France ou dans le monde qui, qui, qui marchent bien justement avec leur public où on n'est pas dans, dans une tour d'ivoire où on vous balance notre papier sur lequel on a travaillé pendant six mois, mais qui dès le départ implique le, le futur lectorat bah, celui dont je parle le plus et celui qui a été le plus reconnu là-dessus et qui a, a d'ailleurs initié tout un travail de, de recherche sur le sujet, c'est The Correspondent. Euh, en fait, c'est un, un média qui est basé à Amsterdam, qui s'est lancé en langue anglaise il y a un an et demi, euh, mais euh, qui a réussi à, à un peu se réconcilier avec le public en, en étant très transparent sur euh, les journalistes, leurs obsessions, leurs biais, leurs propres biais au début d'une enquête, la façon dont l'enquête va pouvoir les faire évoluer. Euh, et leur façon d'impliquer aussi le public dans une, dans, dans une façon de faire. Euh, il y a déjà eu des tentatives en France aussi de la sorte, mais qui n'ont pas pris euh, à l'époque. Euh, on peut aussi citer euh, à sa manière euh, le travail fait par DataGull. Ça, on a été les voir euh, pour le documentaire, euh, mais ils ont aussi monté une communauté et les médias qui d'ailleurs aujourd'hui se financent souvent avec des, des financements participatifs peuvent monter des communautés qui leur seront utiles ensuite pour aller chercher des sujets ou répondre à des questions voilà et ça je pense que c'est intéressant mais ça ne doit pas être euh une prison, en fait, la communauté qu'on crée autour du média. Euh, sinon, le risque est de ne s'adresser qu'à elle, euh, d'avoir un, une ligne éditoriale qui est trop euh, guidée par les attentes de cette communauté. Euh, et, euh, et de tourner en Voilà, comme, comme euh, le dit euh, très bien Fabrice Archi hein, de Mediapart, euh, notre métier n'est pas d'être complaisant, on doit aussi laisser intranquille. Euh, si, on ne, ne, si on dépend trop d'une communauté, à se dire, ah là, ça va, ça, ça, ça ne fonctionne pas. Et euh, une chercheuse, là aussi, à Neuchâtel, Nathalie Pignard qui, qui l'explique bien dans ses recherches. Et il y a des travaux qui ont été faits justement sur c'est quoi une communauté euh, et, et, et comment est-ce qu'on peut s'en servir. Et il y a des centaines d'usages très différents en fonction des rédactions. Ce qui est intéressant d'observer, c'est que ça se développe en France comme à l'étranger. Il y a peut-être un peu plus à l'étranger encore qu'en France, mais. Euh, et pour moi, ça, euh, ce sont des, 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 des sources intéressantes et des opportunités euh, qu'il qu faut exploiter. Alors, d'aucuns me diront, euh, oui, mais regardez, les sociétés de lecteurs, euh, euh, le monde, ça existe depuis toujours. Oui, mais aujourd'hui, on est doté d'outils qui permettent d'aller un petit peu plus loin. Euh, oui, il ne euh, s'agit pas juste d'avoir un comité éthique, euh, éditorial, etc. Là, on parle vraiment d'implication, que ce soit financement, que ce soit idée de sujet, que ce soit euh, retour en cours d'enquête ou même avis. Hein, je pense, euh, alors, c'est plus anecdotique et je le salue. Le, le Dranche, mmh, euh, bien Florent, sûr, euh, Florent Guignard, mmh. ouais, euh, où là on demande. Les gens participent en fait indirectement à l'écriture de l'article en donnant leur avis assez vite et, et presque dans une lecture presque interactive, en tout cas dans, dans, par, par l'esprit. Euh, effectivement, et puis ça permet quand même d'avoir un peu un oui. J'entends bien ton point de ne de, 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 de pas s'enfermer et de ne pas s'appuyer uniquement sur, sur mmh, cette communauté. Mais ce qui est intéressant, c'est que par exemple, avec le confinement, euh, j'ai pu en parler un petit peu avec les équipes du monde, euh, mais peut-être aussi avec, euh, avec France Info, euh, les rédactions ont dû forcément s'organiser autrement à distance, se The... sont aussi voilà. Et, et, et au sein de ces deux rédactions, ben en fait on, on a aussi du su, suivi su, 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 au, au, mm -hmm. en live euh, pour être un peu comme un guichet ouvert, <laughs> euh, en mesure de, de répondre aux, aux attentes euh, du public avec une information plus servicielle. Alors je 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 pense pas non plus que les médias euh, ne doivent faire que ça. Mais répondre à ce type d'attente et se dire finalement, un média peut être une interface euh, euh, éditoriale euh, qui m'éclaire sur le monde, sur des sujets auxquels je ne me serais pas intéressée par moi-même. Mais justement, ils vont aiguiser ma curiosité, ils vont m'apprendre des choses, ils vont euh, ouvrir mon appétit de savoir et de comprendre et, et du coup participer à mes connaissances. Mais ils peuvent aussi au quotidien répondre à des préoccupations euh, euh, qui sont les miennes et, et pas juste m'intéresser au dernier conflit qui a lieu à l'autre bout du monde. Et peut me permettre d'agir localement ou de comprendre et voir comment je peux m'impliquer euh, aussi euh, dans, dans ma propre réalité. Euh, et, et ce côté serviciel en fait a énormément fonctionné. Alors les médias ont fait plein d'offres pendant le confinement, avec euh, euh, voilà, en ouvrant en fait euh, leur site gratuitement euh, euh, pour certains, en faisant des, des prix. Euh, voilà euh, a, a très intéressant pour les abonnements donc on a vu aussi un voilà un effet sur le nombre d'abonnements euh, à, à des supports euh, en ligne on faudra voir si ça perdure longtemps ouais, mais euh, ouais ouais ont pas mal cartonné ouais. fait, a pas mal engrangé d'abonnés mais en tout bon, cas je éditorialement je pense qu'il s'est passé des choses euh, qu'il est important de euh, voilà de garder en tête et d'analyser euh, à, à long terme euh, parce que pour moi c'est un peu la preuve de concept euh, d'éléments sur lesquels on voulait pas forcément aller et on s'est rendu compte qu'en fait euh, ben échanger euh, euh, de manière plus constante comme ça avec le public c'était pas forcément euh, mauvais euh, et que ça, ça 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 peut être riche d'enseignements. Surprise Parler avec son lecteur, ça être mmh. l'enseignement. <laughs> c'est bien. Non, je ne dis pas qu'on ne le faisait pas avant, parce qu'en fait... Non, mais... non, c'est pas mon propos, parce que regardez, la radio, euh, à la radio, les auditeurs, les émissions, les journalistes oui. échangent, ça, ça existe depuis toujours. Euh, mais euh, c'est peut-être moins observé sur d'autres supports. Euh, peut c'est et... peut-être pour ça, sur l'étude Cantard, mmh. je disais, où la radio a un peu plus de, de crédit. Je sais pas, c'est peut-être peut juste un hasard, mais effectivement, le fait qu'il y ait plus la parole donnée aux auditeurs de manière voilà, historique, mmh. on c'est qu'on peut y participer c'est c'est peut-être c'est peut-être c'est un peu moins de verticalité en tout cas où on peut un peu participer et, et tout ça c'est j'aimerais qu'on évoque le, le dernier point alors il y avait il y avait quand même rapidement sur l'implication le, le local parce que on peut pas pas en parler euh, c'est quelque chose que tu prônes et et, et moi aussi même si je j'en parle pas dans le marché je trouve que la presse locale a un grand avenir euh, pour plein de raisons, bah déjà, je, je pense qu'elle est déjà peut-être un peu plus frugale. Alors, je parle en tout cas des nouveaux médias qui sont lancés. Je pense à des médias cités. Je pense ici à Bordeaux, Far West. Je ne sais pas si tu es cofondatrice de Far mmh, West. Si, si. Ça a été un petit... euh, tu veux en parler de deux secondes Alors, moi, en plus, je se trouve que j'ai déménagé à Bordeaux. Mmh. C'est une revue qui d'un coup devient intéressante. Euh, donc, c'est un, un pur player. Il y a, y a du print. Bientôt. Euh, oui, bientôt du print Flo Laval, donc qui est cofondateur euh, avec Fred DeWitt, euh, bastin et, et moi-même euh, est en train de, de travailler là-dessus. Euh, L'actionnariat du, du, du média a évolué. Moi, j'en suis sortie là il y a un an maintenant euh, et il est rentré écran du monde, hein, qui est une boîte de production euh, qui fonctionne très très bien à Mérignac. Euh, et donc les locaux de Far West sont maintenant là-bas. Euh, en fait, c'est un pur player qui s'inspirait à la fois du succès et de Mediapart, et des jours, euh, et de Spicy. Et voilà. Et Flo avait cette intuition qu'il fallait en local euh, proposer un média euh, sur abonnement. Ça, c'était bon, une première envie de départ <laughs> euh, avant qu'on se rende compte que ça soit compliqué. Mais, euh, mais euh, voilà, et, et en fait, bon, l'abonnement, c'est très compliqué. Euh, Là-dessus, on avait fait un petit séminaire avec Benoît Raphaël, on a fait des comparaisons. On a un écosystème média euh, à Bordeaux qui bon, est quand même dominé par Sud-Ouest, euh, les médias locaux France 3, France Bleu, mais il y a euh, rue 89 Bordeaux, on a maintenant Far West, on a euh, le type ou d'autres euh, junk pages, enfin, il y a des revues plus spécialisées, mais euh, de là à en tirer des abonnements, c'est compliqué. Donc euh, Flo a essayé de diversifier le, le modèle économique, on y a beaucoup réfléchi, euh, pour essayer d'offrir du contenu euh, euh, bah, freemium, comme on dit, hein, beaucoup sur les réseaux sociaux, pour ouvrir un peu, pour proposer des choses peu plus spécifique euh, aux abonnés. Et aussi, on est passé par. Euh l'événementiel euh, beaucoup de collaboration sur des, des événements dans la région euh, pour capter des conférences par exemple euh, pour faire des, des, des interviews en marge ou autre et, euh, et par maintenant une publication et aussi euh, la création d'une association euh, qui permet euh, de faire de l'éducation aux médias. Euh, euh, donc euh, là-dessus, c'est aussi intéressant, c'est de se rapprocher euh, du cadre scolaire euh, ou des demandes que l'on peut recevoir euh, par des médiathèques ou autres pour euh, euh, essayer aussi de parler du métier euh, sur le territoire et, et ça c'est ça c'est important aussi c'est quelque donc, chose la vertu de que... la pédagogie quelque part qui, qui, mm. on parle d'implication euh, voilà. euh, live magazine mm. par exemple qui, qui a bien marché ou tribunal mm. des générations futures de mm. juste sur, sur sur Far West tu, tu et, et plus généralement des médias locaux parce qu'on sait donc euh, que ça a du sens, que c'est plus rapide, c'est des gens qui connaissent bien le tissu mm -hmm. euh, local. Est-ce qu'il y, y, a, y a un modèle économique tu vois, Là, tu parles un peu des difficultés entre les lignes de, de, du modèle initial. Donc, vous partez sur la diversification, mais j'imagine avec des ressources... Euh, Réduite, qu'elle soit financière ou humaine, est-ce qu'on peut se lancer aujourd'hui en se disant, tiens, je vais je vais prendre une métropole et je me relance, mmh. je refais un 89 quelque part Est-ce qu'il y a un modèle économique à, à attendre ou est-ce que c'est une espèce de, de sacerdoce et on sait qu'on gagnera jamais beaucoup, mais, mais on, est tellement, on a tellement je, de tellement Je pense qu'il faut des investissements de départ assez colossaux. Euh, et d'ailleurs, les grandes réussites aujourd'hui euh, d'indépendance, hein, pour ne pas citer Mediapart, euh, il y a quand même eu des budgets de départ qui étaient euh, très importants. Euh, ils ont dépassé les 100 000 abonnés aujourd'hui, mais euh, euh, il y a quand même des, des fonds euh, d'investissement euh, qui permettent de donner de la visibilité et des moyens de survie euh, pour passer un cap en fait, pour installer le média dans le paysage médiatique. Euh, rue 89 Bordeaux a dû refaire une campagne euh, il y a quelques mois pour, euh, euh, voilà, dire euh, il nous faut 1000 abonnés sinon on meurt ils y sont arrivés, mais, euh, mais c'était risqué, euh, c'était pas évident, euh, et ça souligne à quel point cette presse locale, pour exister, a besoin d'être soutenue. Euh, et le modèle publicitaire n'est pas satisfaisant, donc il faut être très créatif. Donc ça pousse d'un côté la créativité, mais il faut aussi prendre du temps, accepter de pas vraiment gagner sa vie. Et Far West, aujourd'hui, euh, euh, voilà, paye les journalistes, les hein, pigistes, mais en, 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 en personnel permanent, il y a une personne ennemie. Euh, et Flo et Flo, qui sont restés actionnaires ont, ont un métier à côté. Euh, C'est ouais, dur. C'est bah, dur. Enfin, C'est la réalité de, de beaucoup hein, dans le journalisme. Euh, donc on le fait aussi par passion, par envie d'y Là, je pense aussi à, à Jean Berthelot de l'Agleté, euh, donc qui est président du, du club de la presse à Bordeaux, qui vient de lancer Podcasting avec une, une équipe de journalistes. Euh, je pense qu'il a quelques investisseurs de départ, mais que euh, pour installer ça, et, bah, il faut aussi prendre du temps. Euh, voir comment est-ce qu'on monétise euh, la chose. Si on la monétise, euh, est-ce qu'il y a des subventions publiques aussi hein, au niveau de la région euh, Nouvelle-Aquitaine euh, qui peuvent aider euh, et, Nouvelle, euh, et du ministère de la culture aussi les aides à la presse pour ces ouais. émergences mais ce qui est intéressant avec podcasting c'est que Jean avec son équipe euh, bah, va justement mettre en avant la richesse du contenu fait en local moi je trouve ça génial <laughs> je trouve que ce, ce projet est super parce qu'il va aller interroger des journalistes ou des réalisateurs là, il l'a fait encore hier euh, sur le documentaire qui passait sur la défaite de, de Nicolas Florian à, à la mairie de Bordeaux et euh, bah, il va donner à voir les coulisses de cette fabrique en local. Et, euh, et, et c'est une façon de valoriser aussi cette information. Donc, il y, y, y a des choses à faire, mais... Euh, la créativité, comme tu dis. Créativité, la créativité, ça, création. je pense qu'on n'en manque pas forcément, mais euh, quand on est... Dans un budget d'un Français moyen en concurrence avec euh, les abonnements euh, Internet, téléphone, Netflix, euh, Deezer euh, ou autre et euh, que les gens veulent s'abonner à un média. Est-ce qu'ils vont choisir Far West euh, euh, ou Rue 89 Bordeaux ou, euh, ou Le Monde ou, ou que sais-je? S'ils ont envie de s'abonner, parce que en fait, le, la majorité des gens ne sont pas abonnés à, à, à la presse. Euh, ils vont l'acheter comme ça au kiosque ou ils vont acheter peut-être à, à l'article mais euh, euh, le nombre d'abonnés n'est pas n'est pas n'est pas non plus euh, énorme. Ouais, donc il reste un, il reste un peu de travail euh, mmh. à faire ouais, mmh. au niveau du citoyen. Mmh. En attendant qu'il y ait des solutions, je ne sais pas, de, de non pas de redevances, mais de, de modèles mais... à la caféine, etc. Oui, Alors, ça on... fait des années que ces sujets ouais. sont là, mais. Mmh. Je... J'ai parfois du mal à, à, à y croire. Je sais que les éditeurs ont beaucoup de problèmes avec ça parce qu'ils ont l'impression que la valeur de leurs médias est un peu perdue au sein d'un abonnement. Caféine, juste pour rappeler, c'est un kiosque en, en ligne, comme il en existe d'autres. On paye un abonnement et puis on peut consommer toute la presse. C'est souvent basé sur les, sur les fichiers PDF. Euh, mais on pourrait imaginer une redevance unique où on a un bouquet de médias. Je sais que beaucoup y travaillent, mais, mais personne n'a encore craqué le code, en tout cas. Ouais. <laughs> euh, dernier dernier point retrouver du sens et, 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 et un sujet donc j'aurais peut-être même pu évoquer avant c'est un peu le, le quand on dit retrouver du sens c'est avoir un impact mm -hmm. euh, et, et c'est un peu l'ADN du journalisme de solution dont, que, que tu prônes souvent dans, 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 dans tes écrits dans nos mm -hmm. documentaires etc tu peux rappeler rapidement ce que c'est et ce que c'est pas parce mm -hmm. que souvent on a une version un peu, une vision un mm -hmm. peu ben oui, 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 pour dire les choses très clairement. En fait, c'est un, un journalisme qui est déjà qualifié de manière très différente. Euh, enfin, voilà, il, il a plusieurs qualificatifs. Plutôt, euh, on, on dit journalisme d'impact, de solutions positives, de réponses. Il enfin, n'y euh, a, a pas de terme satisfaisant, euh, véritablement. Pour moi, c'est surtout une démarche. Euh, qu'il faut mettre en avant. Euh, elle a été perçue, en tout cas pendant plus de 15 ans en France, euh, comme un journalisme qui n'avait pour objectif que de mettre de l'information positive euh, en avant. Ce qui fait que les journalistes se sont méfiés en... En se disant, mais nous, on n'est pas là pour raconter ce qui va bien. Et puis, on n'est pas là pour faire de la communication, parce que ça a été assimilé à une démarche de communication. ville euh, oui, euh, ouais. va bien, les trains arrivent à l'heure, les routes ont été ouais. réparées, donc c'est un peu la, au service de la ville. Donc euh, Et puis, puis, en effet, si beaucoup dans le public estiment que l'information est anxiogène. Euh, et prendre le contre-pied et ne prendre que le contre-pied n'est pas satisfaisant et ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire faire un média qui ne parle que d'informations. Positives ou de, euh, de choses qui font un peu feel good, euh, ça, c'est pas forcément euh, satisfaisant et les, les gens ne vont pas forcément cliquer. On a des biais comme ça, on préfère aller lire ce qui se passe mal que. Mais ceci mis à part, euh, j'ai été voir en fait la démarche très méthodique des Américains du Solution Journalism Network euh, qui s'est créée en, en 2014. Et là, donc, par deux, deux, deux journalistes du de, de New York Times. Et en fait, euh, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils reprennent cet état d'esprit qui a été développé euh, d'abord par euh, par des, des journalistes danois, repris en France exa exactement aussi par euh, Reporter Dispatch, par autres mais ils en font un outil, euh, ce qui n'était pas fait auparavant. cest un méthodique euh, avec une approche où on forme les rédactions, pour euh, expliquer ce que c'est euh, concrètement. Et, euh, et ils arrivent à, 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 à prouver euh, que ça fonctionne euh, quand c'est allié à, à un précédent euh, de production informationnelle euh, qui, euh, justement, met en avant ce qui ne convient pas. Donc, en fait, c'est refaites bien votre métier avec les fondamentaux dont on a parlé tout à l'heure mais ne vous arrêtez pas juste à ça prolongez votre enquête prenez du temps pour aller plus loin et voir ce qu'on peut apporter comme réponse à tout ça donc c'est en fait euh, retourner la médaille euh, ça ne veut pas dire euh, on change pas la médaille on prend la même médaille les mêmes fondamentaux du métier l'investigation telle qu'on sait bien la faire quand on a les moyens de bien la faire mais on ne s'arrête pas juste à mettre euh, la plume dans la plaie. Euh, on s'intéresse aussi à celles et à ceux qui pensent cette plaie. Pour moi, c'est très important de penser, c'est-à-dire de soigner, euh, voilà, et de dire. Ben, on a été investiguer sur les solutions qui peuvent apport être apportées à telle problématique que nous avons soulevée ou qui est soulevée par l'actualité hein, d'ailleurs parce que ça peut être ça aussi euh, et euh, on a constaté que telle structure euh, a essayé cette solution ça n'a pas marché voilà pourquoi euh, mais telle in autre initiative a fonctionné voilà pourquoi donc il ne s'agit pas juste de mettre en avant des héros ou des ONG ou des citoyens agissant euh, et d'en faire son miel euh, en termes d'audience parce que ça c'est aussi hein, voilà aujourd'hui et qu'on trouve une figure qui parle bien, on va la monter comme ça dans toutes les émissions, à droite à gauche, en mode regardez c'est la dernière activiste à la mode. Non, euh, ça c'est pas c'est pas. Il est important de, de contextualiser et de mettre en avant ce type de réponse dans un cadre qui explique bien les tenants et aboutissants de la problématique. Et c'est là que ça devient intéressant en fait, parce que c'est pas un journalisme euh, voilà de, de, de complaisance qui veut mettre en avant. Nouvelle, ouais, il, y a des, il y a des règles un peu. Quand même. Il, y règles, il y a des règles, il y a des règles. Et, et, et du coup, euh, ce qui est intéressant, c'est que Nina Facio, qui représente ce réseau au niveau européen, eh ben, euh, a pris son petit bâton de pèlerin euh, en France comme à l'étranger en Europe, et elle a été formée plein de rédactions euh, avec cette méthode. Et, et du coup, maintenant, Spark News et Reporters d'Espoir travaillent en collaboration avec elle parce qu'ils se sont rendus compte que c'était plus simple de s'adresser ainsi à des journalistes en leur parlant euh, d'égal à égal en, et en leur montrant que c'était une technique journalistique. Et euh, les journalistes américains avec qui j'ai pu en discuter, euh, et notamment un ancien du Seattle Times me disait pour moi, cette forme de journalisme et l'avenir du journalisme, comme l'investigation dans les années 70 est devenue euh, en fait un horizon pour le, le, le journalisme. Et, et, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont en train de structurer un réseau et que ça résonne énormément dans les besoins du public. C'est-à-dire cesser de nous rendre impuissants, à nous alerter sur les malheurs du monde, sans nous montrer aussi euh, que on peut avoir un peu foi dans, dans, des, dans, des, dans, des, dans, des, dans des modes d'action euh, pour essayer de répondre à tout ça. Et... il ouais, faut, faut répondre aussi un peu à ce que les gens attendent et, et leur, les, voilà, juste pas leur montrer. Je sais pas s'il y a une attente, mais en tout cas, c'est un ressenti. Elle était pas exprimée, mais oui, c'est un ressenti. Un ressenti ça, que de dire, donné, oh là là, de... je, je, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi? Et puis, oh, euh, voilà. Et on coupe et on zappe. En, en, alors que euh, on peut donner des idées, on peut rendre, euh, voilà, on, on, on peut euh, rendre une capacité d'agir. C'est un empouvoirment, comme disent les, les Canadiens. Euh, et, et, et ça, ça me semble, euh, ça me semble important d'être à l'écoute de ça. Quelques médias en France qui, qui, le, qui, le, qui le déploient bien. Alors, je pense évidemment à Nice matin avec une. Qui ont travaillé et qui, qui a fait ça plutôt bien qui tu t'es entretenu. Est-ce qu'il y en a, a d'autres qui, qui le font, que tu voudrais citer bah, ça, ça se développe petit à petit. Euh, je, je crois que Nina a, a beaucoup rencontré les équipes du Monde et notamment de Monde Afrique. Euh, et et c'est vrai que moi, je suis intervenue aussi en, en, en Éthiopie, là, en décembre dernier. J'ai montré mon documentaire, j'en ai beaucoup parlé avec eux. Et, et il y a un appétit de la part des journalistes africains euh, sur ces approches-là, parce que forcément, <laughs> vu le contexte là-bas, plus compliqué que chez nous, euh, bah, montrer aussi ouais, d'autres facettes euh, euh, ça, ça permet aussi d'être dans, dans un esprit un peu de, de, de débrouille quoi de, où on n'est pas juste noir façon euh, de parler <laughs> euh, c'était malvenu pardon mais, euh, mais euh, dans, dans notre approche sombre de l'actualité j'ai envie de dire et euh, et, et Nina d'ailleurs donne toujours souvent cet exemple là quand il y a eu euh, euh, cette épidémie, euh, de voilà, de nombre d'articles qui ont été publiés sur euh, Ebola euh, et juste deux articles qui mettaient en avant comment est-ce qu'on avait trouvé le vaccin. Enfin, voilà, en disant mais il y a un déséquilibre fondamental là-dessus. Donc, mais, mais donc enseigné aujourd'hui par les pour les journalistes ou c'est uniquement les réseaux publicitaires, les reporters d'espoir, spark News qui prennent le bâton de pèlerin. Est-ce qu'il y a un switch euh, au niveau des, des écoles, des, des jeunes journalistes euh, bah, Nina euh, donne des cours, moi j'en donne aussi. Euh, y a, ça se développe peu à peu. Il euh, y a surtout une mise en réseau des journalistes euh, qui le pratiquent, euh, avec un référencement en fait des, des articles, des contenus qui euh, respectent un peu les critères, euh, sachant que c'est des critères qui évoluent, etc. Mais euh, qui respectent ça. Et derrière, en fait, ce qui m'intéresse, euh, on a pu l'aborder en mars, juste avant le confinement avec Nina, euh, c'était des, des ateliers qui ont pu être développés, par exemple avec euh, Dead mais la BBC l'a fait également, euh, où euh, les journalistes s'interrogent sur leur propre pratique à la rencontre du public, euh, en disant, en fait, euh, on va être aussi dans une façon d'interroger, euh, de faire une interview, euh, où on, on travaille une forme de médiation euh, euh, différente, où on va s'assurer de bien reformuler ce qui nous a été dit, euh, et donc travailler sur la compréhension du propos. Euh, et, et ça, derrière, sur la, sur la pratique, en fait, en termes de métier, euh, je trouve ça passionnant, en fait. Et, et voilà. Et ce terrain-là, ben, je, je pense qu'il faut le le cultiver en fait, le, sans soucier. Et, et ça doit devenir un systématisme. Et, et en termes d'équipe dans une rédaction, euh, quand on envisage une investigation, se dire tout de suite, euh, OK, euh, en termes d'impact, euh, qu'est-ce que ça va donner euh, et comment est-ce qu'on va pouvoir faire ce suivi, euh, c'est important. Et le bige dont on parlait, ils ont un, un impact editor euh, disclose aussi et soucieux de, de soigner son, cette, cette question de l'impact et de se dire, on a fait telle enquête, euh, voilà. Les conséquences qu'elle a eues, voilà comment ça s'est traduit, euh, voilà ce que les, les, les choses que ça a provoqué, euh, et voilà maintenant les solutions qu'on a pu identifier, euh, les, les interlocuteurs qui sont venus à nous depuis, euh, etc., etc. Et, et ça participe du coup comme les autres briques qu'on a évoquées petit à petit là. Dans cette interview, euh, à bah voilà fabriquer une information au long cours euh, factuelle euh, vérifiée euh, qui en plus a une valeur ajoutée euh, sociétale euh, qui n'est pas nulle. Mm. Eh bien, écoute, tu as fait un super résumé de tout ce qu'on s'est dit. Juste sur le dernier point, effectivement, euh, c'est une proposition concrète. Effectivement, nommer un référent impact euh, dans les rédactions, ça peut avoir du sens qu'il soit non pas le gardien, mais qui, qui apporte un peu son toolkit, son petit sur, euh, voilà comment on va mesurer, comment un peu on, on peut, non pas orienter l'article, mais mm. le, le faire de telle manière qu'on puisse en mesurer l'impact. Ça, c'est mm. assez intéressant. Ouais. Euh, on a fait le tour de ces sujets que tu venais de, de résumer, toutes ces briques. Vraiment, je pense que c'est vraiment le, le terme mm. Euh, dans cette reconstruction un petit peu des, des, des médias. Euh, Anne-Sophie, merci beaucoup pour ton temps. Cette, cette, pierre, cette pierre ou cette brique à l'édifice oh. de la révolution des médias. Est-ce que tu, tu un livre, un film, un site ou un podcast que tu voudrais nous recommander Tu en as cité plein, mais s'il y en a un qui, autour de ces sujets-là, est important que tu voudrais nous recommander euh il bah, y en a plein je les envoie je les mettrai je les mettrai dans la note de lecture oui alors déjà il je... euh, y a le site euh, lesmediamondemois.com qui redonne un peu les informations sur euh, bah, tout le dispositif films livres on a fait une série avec Lina aussi qui s'appelle Média la grande réinvention euh, que qu'on peut retrouver assez aisément en ligne euh, donc euh, là dessus puis après j'y partage assez régulièrement la, la veille euh, sur des initiatives que je peux repérer donc euh, c est, c est assez égocentré <laughs> comme réponse non mais il n'y a pas de souci. Euh, non, non mais c'est très mais... bien il y, y, y a aussi ton autre site de moins moinsenmieux.com oh c'est ce un vieux site ça, il n'est pas est très il faut que je le refasse voilà, je... parce que c'est un site un peu euh, qui explique un peu tout, tout ce que je fais mais je l'ai pas mis à jour depuis très longtemps donc les gens peuvent aller voir mais il manque je passe trois pas ans pas à de jour. travail derrière du... voilà. pas de souci. Mm. Euh, merci vraiment pour ton temps Anne-Sophie c'était un plaisir merci si vous avez <laughs> Super. Et si vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, merci à vous. J'espère que vous aurez trouvé des idées de format, des valeurs. On en parlait au début et on peut conclure par ça, par les valeurs, euh, voir l'envie de créer un média local. Pourquoi pas On a entendu que c'était difficile, mais c'est une belle mission. En tout cas, pas de fatalisme. Les recettes existent. Merci à tous de votre soutien et portez-vous bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mediarama. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast, ça m'aide à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager autour de vous, chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre stratégie de présence en ligne, la refonte de votre site ou encore l'obtention d'une subvention, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mediarama.com. A bientôt